Nous sommes à notre prochaine activité qui s'intitule démo time. On a dit qu'il était question ici là de manière de donner de montrer de manière pratique et physique comment est-ce que ces tâches à microcontrôleurs là sont utilisées. Et je fais quelques exemples en utilisant des capteurs et des actionneurs qu'on a ici et de vous présenter quel est l'idée que ça donne par rapport à ces différentes expériences. Donc on va commencer par. Them to teach you. I'm a little female, so photograph. D'accord. Dans mon PowerPoint, je vais d'abord vous montrer de manière sommaire en quoi est-ce que ça consiste ici. Ensuite, on va aller maintenant de manière pratique. Comment est-ce que déjà les cartes de microcontrôleurs Arduino se configurent. Et ensuite, on va réaliser quelques petits programmes ensemble et on va exécuter, on va voir ce que ça fait. Donc la première partie. En quoi consiste le démontage? On a déjà dit. Et maintenant, j'aimerais citer ici sur la formule qui a été choisie pour la partie démontage. On a dit pour le démontage, la formule qui a été choisie, c'est la carte à microcontrôleur en question, soit Arduino, soit Arduino. Donc, si on a dit l'Arduino, on va prendre une des distributions Arduino. La seule qu'on a ici, c'est l'Arduino Mega. Donc, c'est celle qu'on va utiliser. D'accord. Donc là voilà, une carte à microcontrôleur Arduino. C'est celle qu'on va utiliser pour notre démonstration de tout à l'heure. Donc c'est déjà le premier paramètre de notre équation là, en fait de notre formule. Donc ça c'est la carte, c'est notre premier élément. Ensuite, après la carte, le second élément c'est le capteur. Le capteur ici c'est tout élément qui permet de transformer les valeurs physique en valeur numérique exploitable par notre système déjà. Les valeurs physiques peuvent être ici, comme on a dit tout à l'heure, la valeur de la luminosité. Ça peut être la valeur de la température. Ça peut être une position sur un potentiomètre. Ça peut être la présence d'une personne, c'est une valeur physique. Et maintenant, ces capteurs-là vont permettre de transformer ces valeurs en valeurs numériques qu'on va pouvoir exploiter grâce à notre carte. Par exemple, avec une photorésistance, on a une valeur de luminosité qui nous sera envoyé par le capteur en question. Et en fonction de la valeur qu'on aura, on pourra savoir si on est en journée ou pendant la nuit et effectuer des actions par rapport à cela. Voilà. Donc déjà, c'est ça le capteur. Tout à l'heure, on va choisir quelques capteurs avec lesquels on va faire notre démonstration. Ensuite, on a dit le prochain élément de la formule, c'est l'actionneur. On a dit l'actionneur, c'est tout composant qui permet de réaliser une action. Donc ça veut dire que contrairement à l'actionneur, on transforme les paramètres physiques en paramètres numériques. On va maintenant prendre l'actionneur, on va prendre les valeurs, les paramètres numériques qui seront envoyés par la carte et transformer ça en paramètres physiques qui pourront être visibles. Un des exemples d'actionneurs les plus utilisés même d'ailleurs, ce sont les lampes. Les lampes prennent des valeurs numériques qui à la base sont des valeurs booléennes qu'on renvoie à partir de la carte. Et avec ces valeurs booléennes-là, les lampes vont soit s'allumer, soit s'éteindre. Donc une diode électroluminescente, par exemple, reçoit soit 1, soit 0. C'est une valeur numérique. Et à la suite, elle s'allume si elle reçoit 1 et elle s'éteint si elle reçoit 0 en fonction du montage qu'on a effectué. Là, on est déjà dans les paramètres physiques.
On a par exemple le moteur qui va, à partir de notre carte, recevoir soit une valeur de vitesse, soit une valeur de position s'il s'agit d'un servomoteur. Tout dépendra du type de moteur qu'on aura en face de nous. Et ensuite, cette valeur numérique qu'on va donner à notre actionneur va être transformée en grandeur physique pour un moteur courant continu, par exemple, qui va se mettre à tourner. Ou un servomoteur qui va tourner à la vitesse que tu lui auras donnée jusqu'à l'angle que tu lui auras donné. Là, on a affaire à un actionneur. D'accord. Ok. Par rapport à cette formule, la première démonstration que nous allons faire, c'est une démonstration qui aura pour objectif principal de nous familiariser avec la carte à microcontrôleur simplement. C'est-à-dire, c'est pendant cette démonstration-là que nous allons faire, premièrement, le branchement de la carte et sa configuration. Et nous allons donc présenter par la même occasion le logiciel utilisé pour programmer ces cartes à microcontrôleur-là, le langage utilisé avec les différentes instructions, on va parler trop au-delà, juste quelques petites instructions pour réaliser cette petite démonstration de clignotement de LED. Ça, c'est la base. L'objectif ici, c'est se familiariser avec la carte à microcontrôleur, comprendre son fonctionnement et l'utiliser. Après cette démo 0, on va faire une démo 1. La démo 1 qui va étroitement respecter notre formulation, c'est-à-dire carte plus capteur plus actionneur. La démo 1 va utiliser simplement le capteur le plus basique qui existe, un bouton pouvoir. C'est ce qu'on appelle des capteurs logiques. Ça veut dire qu'il renvoie que des états possibles. Soit il est appuyé, soit il n'est pas appuyé, simplement. On va donc récupérer cet état logique-là qui sera soit 1, soit 0, en fonction de ce qu'il est appuyé ou pas. Et à partir de là, on va allumer notre diode électroluminescent qui se trouve juste au-dessus, simplement. Donc voilà notre carte. Il s'agit ici d'un Arduino. Ensuite, notre carte. Un bouton pouvoir qui sera notre capteur. C'est sur ça que l'on va agir. Et notre actionnaire qui sera une diode électroluminescent. Bien sûr, qui sera protégé par une résistance de protection. Après la démonstration 1, je fais qu'on retourne le PowerPoint et ensuite on commence avec la configuration. En fait, c'est les différents démos. Notre démo 2, la formulation est la même. La carte à microcontrôleur, un capteur et un actionneur. Notre capteur ici, c'est un ultrason. Un ultrason, c'est un composant électronique qui en réalité envoie des ondes d'ultrason. C'est comme un truc avec deux yeux. Si vous regardez la vidéo de tout à l'heure, vous avez certainement dû voir un robot qui s'est déplacé là, il avait une sorte de deux yeux là. En réalité, c'est un émetteur d'ultrason. L'un des côtés émet des ondes d'ultrason et ces ondes-là sont réfléchies et reçues par le deuxième en fonction du temps d'aller et de retour de cette onde qui a été émise. Le capteur calcule automatiquement la distance qu'il y a entre lui et l'obstacle le plus proche. À partir de là, donc, on pourra démarrer notre buzzer en fonction de la distance qui sépare notre capteur de son obstacle. L'une des applications de ce petit mécanisme-là, ce sont les robots. Les petits robots qui se déplacent, hein. C'est ça qui est utilisé. Parce que lorsqu'il se déplace, pour pouvoir savoir que devant lui se trouve un obstacle, il calcule en temps réel la valeur de la distance qu'il y a entre lui et l'obstacle. Lorsque cette valeur-là est très inférieure ou critique de l'ordre de 5 cm, ça veut dire qu'il doit s'arrêter et tourner. En fonction maintenant du système qui lui est implanté, il va prendre une décision qui va lui permettre de savoir, il doit aller à gauche, à droite, il doit faire limite. D'accord. La démo 2 sera basée encore sur notre notre émetteur ultrason. On va toujours capter la distance qui entre cet émetteur là et un éventuel obstacle. Et en fonction de la valeur de notre capteur, la valeur que notre capteur va nous envoyer, on va peut-être démarrer un moteur. Comme je le disais tantôt, ces capteurs-là sont utilisés pour le déplacement des robots. Donc ça veut dire qu'on démarre le moteur, le robot se déplace. Lorsqu'il se déplace, au moment où le capteur lui renvoie que la distance entre lui et l'obstacle est trop bas, le microcontrôleur automatiquement arrête le moteur courant continu
et le robot peut décider de faire des mythes ou pas. Donc, sur une vidéo là, d'accord, on a un petit robot là qui a effectivement ce capteur, cet émetteur ultrason. Vous allez remarquer que c'est comme deux yeux, l'une permet d'émettre les ondes ultrason et l'autre de les recevoir. Et en fonction du temps d'aller et de retour, le robot va décider, va calculer quelle est la distance entre son, lui et son obstacle. Et, bon, là, on a un robot qui a été commandé. Et dans le cas d'un robot qui serait autonome, il serait apte à prendre lui-même la décision de se retourner, de prendre, d'aller à gauche, d'aller à droite, en fonction de la situation qui lui est présentée. Bon, là, le TP suivant sera également basé sur un système de régulation des températures. La régulation des températures ici, là, a pour. Je dirais que de notre carte Arduino pour nous. Ensuite, à plus de l'Arduino, nous allons ajouter un capteur qui sera notre capteur de température ici. Donc on va faire une acquisition en temps réel de la valeur de la température. Ensuite, avec cette valeur de la température là, nous allons pouvoir décider s'il fait assez chaud pour qu'on démarre les ventilateurs, qui ici seront stimulés par un moteur courant continu, ou alors si la température est bonne et qu'il faut arrêter le moteur en question. Donc déjà c'est ça en ce qui concerne cette démo là. Donc on a notre même formule, la carte. Ensuite le capteur de température qui va faire l'acquisition en temps réel de la valeur de la température. Et après l'acquisition en temps réel de la valeur de la température, on aura notre moteur qui va se démarrer s'il fait trop chaud. Dit qu'il fait trop chaud, ça veut dire que notre capteur de température nous a envoyé une valeur qui est supérieure à la normale. On peut dire par exemple, dans cet environnement-ci, on veut une température de 37 degrés, pas plus. C'est-à-dire que le capteur de température prend la température en bon microcontrôleur. Le microcontrôleur teste, est-ce que c'est supérieur à 37 degrés. Si oui, le microcontrôleur démarre le moteur. Sinon, il laisse le moteur tranquille. Jusqu'à ce que la température soit assez élevée, il démarre le ventilateur. Quand la température chute encore, le moteur redémarre ici. C'est une manœuvre utilisée pour économiser en énergie, pour ne pas démarrer excessivement le moteur. Oui, la démo suivante, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Un interrupteur crépusculaire. Donc, ça veut dire un système basé sur l'Arduino comme la carte principale. Ensuite, une résistance